Le sport, ça occupe une place très importante dans ma vie. J'en fais depuis toute petite. J'aime beaucoup ça, ça me permet de me dépenser, de me défouler et d'exprimer mes émotions à travers mon corps de différentes façons. Je suis tombée dans l'escrime et c'est le sport dans lequel je suis restée attachée et dans lequel je suis encore aujourd'hui et dans lequel je m'épanouis aussi. Je découvre chaque jour un peu plus qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui je peux être. Et je me rends compte que même si je fais du sport depuis toute petite, parce que j'ai commencé l'escrime à 7 ans, mais avant je faisais un peu de danse, et donc même si je fais du sport depuis tout ça de temps, j'apprends tous les jours encore et encore. Il y a des moments où je me sens accompagnée par Dieu. Alors il est toujours là, hein. Dans différents moments de ma vie, il est présent et je le sens. Et ça arrive aussi dans le sport, quand c'est dur, quand c'est super bien et qu'on est super content. On pense souvent à remercier sa famille, ses amis, tous ceux qui étaient là, mais on a aussi une pensée pour « Merci Seigneur ». Ou le soir, quand on prie pour plein de choses, quand on demande des choses au Seigneur, quand on prie, on demande plein de choses et on demande aussi des choses pour le sport. Donc, bien sûr, il est là toujours. Et parfois, je le sens sans l'appeler et parfois, je l'appelle. J'ai eu une période assez compliquée. Et en fait, ma foi dans cette période-là m'a vraiment aidée. Et notamment pendant le carême, où justement on fait un peu notre traversée du désert. Et c'est un moment où, au niveau de la foi, on se recentre un peu plus. Ce carême, ça a été pour moi, ça a été le meilleur carême. Et parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais heureusement que je suis catholique, quoi. Parce que je me sentais seule, mais en fait, j'étais jamais seule. Et de lire les textes tous les jours, en fait, ça me parlait encore plus. Enfin, y a pas un texte qui m'a pas parlé. Je trouvais toujours un écho. Et c'est comme si je parlais véritablement avec Dieu, qui avait vraiment un message. Et ce carême, pour moi, c'était le moment le plus fort spirituellement. Mon désir le plus grand, c'est d'exprimer au mieux mes talents. Pour moi, Dieu, il existe en chacun d'entre nous. Et nos talents, c'est l'expression de Dieu. J'aime le sport, je suis douée dans mon sport. Bien sûr, j'ai des grands rêves dans mon sport. Et si c'est mon talent, moi, je fais mon maximum pour l'exprimer au mieux. Et ça va s'exprimer dans le sport, mais aussi dans d'autres aspects de ma vie. Et si je m'exprime au mieux, ce sera bien pour moi, pour les personnes qui m'entourent aussi. Et c'est aussi ma façon de vivre ma foi. C'est pour ça que je suis vraiment très contente de ce carême, parce que c'était un moment de ma vie où j'étais complètement éteinte. Et donc ce carême m'a permis de retrouver la joie qu'il y avait en moi, un feu qui s'est rallumé et qui me permet de me réexprimer en fait.